Chers amis, bonjour. Bon, alors affrontons le problème de face. C'est toujours mieux que de lui tourner le dos dans l'espoir de le résoudre. J'ai une stat à vous faire partager. Malheureusement, elle met en lumière le problème du moment. Depuis le début de l'année, nous sommes l'équipe qui a perdu le plus de matchs de championnat. Et oui, avec la lanterne rouge bordelaise. Bon, ça, il n'y a pas de quoi s'en vanter. En même temps, la 11e place que nous occupons aujourd'hui n'est ni catastrophique, ni sujette à grande festivité. Parce qu'après tout, il y a deux façons de lire le classement. Déjà, se dire que les 6e actuels, jusqu'à plus étonné, jusqu'à plus refroidi, qui sont les Monégasques, ne sont qu'à 3 points de nous. Mais quand on regarde la situation déjà plus délicate de nos adversaires de ce week-end, les Lorientais, les 6 derniers de la Ligue 1 aujourd'hui se tiennent à 4 points. Alors, le Moustoir est-il une terre imprenable? Pas vraiment, si l'on tient compte que les Bretons s'y sont produits déjà à 11 reprises, ils n'ont gagné que 4 matchs. Oui, mais 4 matchs gagnés contre Nice, contre Lille, contre Lens et contre Monaco. Ah, c'est déjà un peu plus parlant. Si vous y ajoutez le match nul des Lorientais, toujours sur leur pelouse face au Paris Saint-Germain, un partout, ça vous donne un aperçu de la résistance qui nous attend et du répondant que donneront forcément les Lorientais ne sont pas loin de la zone rouge à l'instant où nous souhaitons bien sûr nous relancer. Oui, il faut se relancer et essayer autant que faire se pourra d'arracher au stade du Moustoir ce dimanche notre 4e victoire à l'extérieur. Pourquoi ne pas chercher seulement le match nul? Parce qu'il va falloir se relancer et qu'on le veuille ou non, même si la 11e place, je vous l'ai dit, n'est pas catastrophique en soi, elle n'est pas le reflet non plus du potentiel de l'équipe d'Olivier Daloglio. Voilà, les données sont claires, il faut se rendre à Lorient pour le compte de cette 25e journée de championnat dans l'optique véritablement de se relancer et de s'intéresser un peu plus au débat du haut de tableau. Ce sera la mission de l'équipe d'Olivier Daloglio et ce sera au stade du Moustoir à partir de 15h. Nous vivrons ce match ensemble, bien sûr, sur les supports sociaux que vous connaissez du MHSC. À dimanche.